Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés et que vous m'entendez bien. Alors ça dit bonjour, faut dire bonsoir, parce que là nous sommes en direct. Bonjour, bonsoir à tous, bonjour à toutes. Voilà. Bienvenue à notre première rencontre joyeuse de cette grande semaine de la joie. Nous sommes actuellement au Café Joyeux d'Opéra, dans le 2e arrondissement de Paris. C'est également le 2e Café Joyeux à avoir ouvert ses portes juste après celui de Rennes. Et pour cette première rencontre, nous avons un joyeux trio qui va nous préparer une petite recette. Une grosse recette, un gros gratin. Donc, avec Anne-France, qui est équipière joyeuse aux Champs-Élysées. Exactement. Steven, qui est le responsable réseau cuisine de Café Joyeux. Tout à fait. Et Pascal, qui est notre personnalité inconnue, plus si inconnue que ça, qui a proposé cette recette en tant qu'ambassadeur de Café Joyeux. Alors, je vais fermer un peu la fenêtre, vous allez voir, parce qu'il y a un petit peu de bruit du dehors. Alors, je me présente Pascal Légitimus, donc comédien. Moi, je connais le Café Joyeux depuis 2017, parce qu'il se trouve que j'ai joué au théâtre à côté, au Théâtre des Bouffes Parisiens. Et le samedi, on avait deux spectacles. On jouait à 17h et à 21h. Et entre les deux spectacles, un petit casse-croûte, un petit thé vert. J'allais d'abord à la crêperie qui est juste au coin. Et à un moment donné, je me balade. Et qu'est-ce que je vois? Café Joyeux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis rentré, j'ai commandé un thé vert. Et j'ai dit, waouh, quelle belle idée. Et j'ai appelé dans la foulée Yann Bucaille, donc l'instigateur et le créateur du Café Joyeux. On s'est vu quelques mois plus tard à Neuilly, on a dîné ensemble. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez besoin de quelque chose en cuisine? Et il m'a dit, avec plaisir, et puis voilà. Donc, d'où ma présence ici. Donc ça fait à peu près, avant Covid, donc 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 20, ça fait 7 ans. Voilà, j'ai tout dit. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous laisse en compagnie de ce joyeux trio pour une recette de gratin, pas comme les autres. Enfin, merci. Pas comme les autres, comme la mienne. Quand même. Dites-moi, alors, en fourneau. On présente la dame peut-être, elle va se présenter, tu veux te présenter un peu? Moi, je m'appelle Alphonse, j'ai 36 ans et je suis au Café Joyeux sur les Champs-Élysées. Avant, j'étais à l'Olympia, maintenant, je me rebalade sur les Champs-Élysées. Donc, tu as fait Champs-Élysées, ici, et Olympia. Non, je n'ai pas fait à Opéra, mais j'ai été au Champs-Élysées, après j'étais à l'Olympia, et je suis revenue sur les Champs. Cool. Et ça va, tout va bien? Oui. Super. Alors, moi, j'ai proposé une recette que j'aime faire de temps en temps, c'est donc un gratin de légumes. Donc, pour ça, j'ai demandé à avoir des ingrédients. Donc, nous avons des carottes, nous avons du brocoli, des oignons rouges, des pommes de terre, des herbes, du comté râpé, parce que j'aime bien, il faut que ça soit gratiné. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse ça tous ensemble. Hein. Cool. Donc là, il y a un grand plat. Ce que tu vas faire pour m'aider, tu vas prendre un peu d'huile d'olive, okay. Tu vois, ici, et en mettre sur le fond du plat, là. Tu vois. D'accord. Et je vais te dire stop, vas-y. Cool. Voilà, tu en mets tout le long, comme ça, voilà. Super, comme ça on tapisse déjà le fond. Ensuite, il faut éplucher les carottes. Donc ça, c'est pas une mince affaire. Donc petite carotte. Voilà, ça c'est bien, super. Voilà, ça on pose. Alors, on va éplucher les carottes. Je te donne ça. Oui. C'est bon. Moi, je vais le faire aussi avec vous. Ok. Ok. Alors, les carottes, on va faire comme ça. Ça c'est rapide, c'est super, c'est un économe. Alors on fait comme ça, à toute vitesse. Moi, je suis très rapide. Hein. Comme je fais la cuisine chez moi. Et il a fait comme ça, voilà. Toi, tu regardes, c'est super, c'est bien. Comme ça, tu es. tu nous dis si c'est bien. Hein. Ok, c'est cool. Ensuite, ce que tu peux faire pour moi, c'est peut-être les mettre en rondelles. Les tailler avec ta mandoline. Ouais, petite rondelle, comme ça. On va faire comme ça. Voilà. On peut finir le fromage. Je peux finir le fromage et comme ça après. Alors, oui, le râper en même temps, c'est pas mal. Voilà. Tu t'en sors? Oui. Super. Et moi, je suis très rapide, hein, parce que je fais ça depuis tout petit, j'adore faire ça. Ah, d'accord. Bah, moi, j'apprends tout. Hein. Tu vois, j'apprends à faire la cuisine. J'ai même fait des formations. C'est Fazia avec le Café Joyeux. Ok, cool. Donc, moi, j'en ai fait deux déjà, t'as vu? Mais j'en ai épluché avant. Regarde. Qu'il y avait plus que toi. Alors, fais attention de ne pas te couper, parce que si tu fais ça ici, ça te râpe. Tu vois, donc, tu fais bien comme ça. D'accord. Parce que des fois, ça, on peut se couper. Donc, je fais même ça, regarde. Ça, c'est une technique que je propose à tout le monde. Je prends la pointe et je déshabille la carotte. Voilà. Donc, le but, c'est prendre des carottes, faire des petites rondelles. Ensuite, nous avons ici donc des pommes de terre que nous allons couper en petites rondelles aussi pour tapisser le fond du plat. Voilà. Et après, on va faire plusieurs couches
deux comtés râpés, tout simplement. Voilà. Et on va faire un beau plat très sympathique qui va croustiller dans le four. Mais d'abord, il faut préparer. Donc, on fait tout ça en live. Hein. Voilà. Ça, c'est ma troisième carotte. Allez, encore une. Et je pense que ça ira. Voilà. Cool. Voilà. Alors. Alors, on met tout ça là-dedans. Les détritus, on les met là-dedans. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est fait. Donc, quand vous faites des rondelles de ça, vous les mettez à part, hein, avec les pommes de terre en rondelles à part. Voilà. Alors, ce qui est bien dans les carottes, c'est que c'est facile à éplucher. Maintenant, il faudrait un couteau pour enlever le bout. Le bout. On n'en a pas besoin. Hop. On enlève les bouts. Je mets ça là-dedans. Les bouts des carottes. Voilà. C'est bon. C'est parti. Cool. Bah, c'est bon. Voilà, encore un petit peu. Vas-y, termine celui-là. Super. Voilà. Ah bah écoute, attends, il y a un petit bout encore, je vais le faire. Vas-y, vas-y, fais-le. Encore un peu. Eh bah, ben écoute, c'est une carotte parfaite. Formidable. Je coupe le bout. Donc on a à peu près 5 carottes. Et on va faire des rondelles avec. Donc on va pousser ça. Voilà, faire un peu de place. On fait tout en live. Hein. Ça, on le met dedans. Donc les carottes, voilà, on pousse tout ça, pof. Fais voir le râpé, ce qu'il y a. Ok, on peut montrer la caméra. Hop. Alors on va le soulever, si tu veux. Attends, voilà. Alors je vais vous montrer ce qu'on a fait à peu près comme quantité de râpé. Vous voyez, vous me dites, c'est bon? Parfait. Donc c'est à peu près, allez, 200-300 grammes de râpé qu'on met de côté. On réserve, c'est ce qu'on dit, c'est le mot on réserve. Hein? Ok, maintenant, je vais... Tu peux faire ça, faire des rondelles comme oui. Ça, sans te couper. Non, super, vas-y. Fais-moi des petites rondelles de carottes. Voilà, et tu vas les mettre là-dedans. D'accord. On va réserver. Les carottes, voilà. Voilà. Ensuite, je vais éplucher. Ça, c'est des... Qu'on appelle ça? Des patates douces. Je vais donc éplucher les patates douces. Pareil, je fais ça, hop, technique, hein. J'adore faire ça, c'est rapide. Voilà, on va prendre deux patates douces, je pense que c'est bon. Et on va faire aussi, c'est bon, tu t'en sors, formidable. Ok, oui. On continue. Donc, patates douces, je récapitule, patates douces, pommes de terre et carottes. Ça va être notre fond de cuisson. Voilà, moi je fais ça de temps en temps. Gratin de légumes. Alors, on varie les légumes en fonction de la saison, bien sûr, hein, évidemment. Voilà, c'est la patate douce. La première est faite. On prend la deuxième. On la déshabille. Hop. Je suis très rapide. Hein. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Voilà, regardez. Patate douce, allez, en une minute. Hop. Je l'épluche. Et voilà. Et c'est bon. Et c'est parti. J'enlève un peu ce qui... Je racle. Je l'ai mis à l'envers, c'est j'enlève le tout. Ça, si tu veux, sinon on va les faire à la mandoline, les carottes, pour que ce soit un peu plus fin. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit, Steven? On peut peut-être les faire à la mandoline, si tu veux, pour que ce soit un petit peu plus fin. La non mandoline, c'est quoi? C'est ça, c'est ce ça, magnifique outil okay. Qui coupe. Ah, vas-y, c'est entre nous, mandoline. Toi, on va regarder la taille. Te coupe pas, hein, te coupe pas. Ah oui, c'est on l'a comme ça, hein, c'était ouais, déjà. Ouais, d'accord. Ah, vas-y. Ok. Mandoline. Tu veux essayer? Allez, vas-y. Te coupe pas un doigt. Tiens, prends celle-là déjà. Le doigt, je vais pas le mettre dans le plat. Non, parce que c'est végétarien. C'est un plat végétarien, donc si tu mets ton doigt, c'est moche. Alors, pas trop. Voilà. Voilà. Donc. Prends comme ça. Non, ça, ici, c'est en ici. Direct, en c'est terre. En live. On fait un gratin de légumes, je le rappelle pour ceux qui viennent nous rejoindre. Un gratin de légumes à la façon Pascal Légitimus, que je fais de temps en temps à la maison. Je rappelle les ingrédients. Les ingrédients, c'est donc, nous avons des carottes, des pommes de terre, des patates douces. Des oignons et du brocoli qui est déjà un peu cuit à la vapeur, vous voyez. Donc tout ça, ça va à un moment donné aller à la vapeur pour ramollir un peu. On fait ramollir le tout et après on le met au four. C'est ça la petite astuce. Donc les patates douces, je vais faire des petites rondelles. Bah non, la mandoline. Bah oui, carrément. Qu'est-ce que je vais pas m'embêter. Bah oui. On va tout mettre en même temps en vapeur. On va mettre en vapeur on tout. Non, parce qu'en fait. La pomme de terre, les carottes et la patate douce, c'est à peu près la même dureté. Voilà. Donc on va les mettre ensemble. Donc il faut que tout soit à
voilà. Et pareil pour que ça. Les beaux colis, ils vont cuire naturellement au four direct. Toi, tu reprends une carotte entière. Putain, je vous laisse faire, c'est formidable ça. Alors, ça, il y a deux patates douces, je vous les laisse là. Vas-y. Ensuite, nous avons du curcuma. Curcuma, très important. Ça donne un petit goût. Alors, le safran, c'était pas mal, mais c'est un peu cher. Donc, prenons du curcuma. C'est un très bon antioxydant. Antioxydant. C'est un jeu de mots, pour ceux qui comprennent qui peut. Ensuite, nous avons des petites herbes de l'estragon. Nous avons des herbes de Provence. Ça donne du goût, c'est sympathique. Ensuite, des oignons rouges, bien sûr. Alors ça, c'est... Ceux-là, ils sont bons parce qu'ils sont sucrés. Donc, oignons rouges sucrés, ça donne... Il y a un petit truc en plus. Ça fait à la fois dessert et plat. C'est pas mal. Alors, bah, je vais éplucher les oignons. Tout simplement. Allez. Est-ce que vous avez un masque pour pas que je pleure? Non, c'est pas prévu. Ah, bah écoutez. Vous avez des Kleenex non plus? Oui, bon, bah, si, on va se débrouiller. Attention. C'est parti. Je coupe les oignons. Voilà. Voilà, je les déshabille. Oui. Voilà. Je déshabille les oignons. J'enlève la peau rouge au début. Voilà, vous voyez, hop, c'est simple. On déshabille tout ça. On le met dans le plat qu'on va mettre au compost. Si vous avez un compost, c'est formidable. Mettez tout ça au compost. Ne jetez pas dans les ordures. Le compost, c'est très très bien si vous avez un jardin, bien sûr. Donc, j'enlève le noyau, ici là, de l'oignon. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Je sais, j'ai jamais su pourquoi, mais on m'a toujours dit d'enlever le noyau. C'est le germe, c'est pas digestif. C'est pas très digestif, c'est pour ça. Voilà la bonne raison. Allez, c'est parti. On enlève le germe. Voilà, j'enlève le germe. Et voilà. C'est un gros germe, ça. Voilà. Ça, c'est le germe, on jette. Ça, c'est le germe. Il y en a deux, on jette. Voilà. Ensuite, les oignons, eh ben, je vais en faire des petites lamelles. OK. Ça marche bien, votre truc. Attention, ton doigt. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, tu peux faire ça maintenant. Ouais, ouais, on va juste faire un petit alors ça, alors tiens, je vais donner ça pour réserver les. Voilà. Carrément les mettre dans le. Nous, on va les mettre au four vapeur. Directement les mettre dans la plaque à trous qui va. Aller d'accord, four si tu le dis. C'est toi le chef de la cuisine. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tu peux m'aider faire des couper ça? Ah oui. Vas-y. Tiens, je te donne le petit couteau. Comme ça, je surveille. Combien de temps il nous reste? Là, on est à. On a fait un bon quart d'heure, donc il ne faut pas tarder. Normalement, la cuisson, c'est 20 minutes, à peu près. Bon. Oui, c'est ça. Regarde, la technique, c'est ça. Tu le mets comme ça. Regarde, la technique, c'est que tu le mets debout. Oui. Et tu fais ça. Voilà. D'accord. Et c'est plus facile. Bah, vas-y, vas-y. On va être bon, là. C'est bien. Donc, je récapitule. Pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait devant cette caméra? Donc, je fais un gratin de légumes en direct pour le Café Joyeux. Donc, gratin de légumes, évidemment, il y a des légumes. Nous avons des carottes, des patates douces, des pommes de terre et des brocolis. Ensuite, il y a quand même des oignons rouges. Nous avons des herbes. Et j'ai mis un fond d'huile d'olive dans le plat pour tapisser. Donc, le but, c'est de faire un gratin. Je vais faire plusieurs couches. Légumes, du comté râpé, légumes, du comté râpé, voilà. Ça. Tu peux le faire une fois ton truc là? Ouais, bien sûr. J'emprunte ça deux secondes. Et ça, voilà. Et ça, c'est bon. Oui, oui, pareil, pareil. Alors, redis-moi le nom de ça. Une mandoline. Une mandoline. Ouais. Ne pas confondre avec la mandoline, bien sûr, l'instrument. Voilà, excuse-moi. Bonjour tout le monde, enfin bonsoir, quelle heure il est? 7h-10, nous sommes en direct, allez, c'est parti. Mais c'est génial ce truc. Mais c'est génial, ça fait des lamelles, dis donc. Attention de ne pas se couper le doigt, de ne pas se râper la main. Attention, voilà, vas-y. Donc tous les légumes un peu durs, on les met d'abord à la vapeur. Pendant combien de temps? Dis-moi. 10 minutes, peut-être pas, même pas. Allez, à peine 10 minutes pour que ça soit. Dépend de la quantité. Voilà, en fait. À peine 10 minutes pour que ça soit ramolli. Pomme de terre. Ouais. Vas-y. T'as déjà fait une pomme de terre ou pas? Pas encore. Alors, on attaque les pommes de terre à la mandoline pour faire des petites lamelles. Allez, c'est parti. Allez. À l'aise Blaise, tranquille Bill, cool Raoul.
Donc je répète, ça c'est, comment tu t'appelles, Anne? Anne France. Anne France, Steven. Tout à fait. Enchanté, et Pascal, voilà. Et Pascal. Là, voilà, hop. Okay. Oui. Allez, encore ça à la vapeur, je te laisse faire. Ouais. Tu les mets là-bas? Ok. Ouais. Allez. Comme ça, on aura des carottes, encore, des patates, encore une pomme de terre. Voilà. Bon, écoutez, on s'en sort pas mal. Donc, il faut un plat un peu comme ça. Vous le tapissez d'huile d'olive et on va mettre tous nos ingrédients. Nos ingrédients, on dit ingrédients. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, ça coule un petit peu. On va mettre un petit papier en dessous. Je te laisse faire, merci. Voilà, tu t'en sors? C'est mieux le petit couteau, non? Oui, c'est pour la fin en fait. Ah ouais, ouais, c'est mieux ça. Alors, je vais prendre un sopalin. Voilà. Donc, quand la vapeur est vaporisée, eh ben, on va tapisser. Voilà, tranquillou. Encore une pomme de terre. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je fais un gratin de légumes en direct, à ma façon, avec, je récapitule. Oui, mais tu l'as déjà dit. Oui, mais il y a des gens peut-être qui nous rejoignent. Voilà, donc toutes les 10 minutes, je rappelle. C'est important de rappeler. Voilà. Alors, donc pour le café joyeux en direct avec Anne France, Steven et Pascal, on fait donc un gratin de légumes maison avec des pommes de terre, des carottes. Alors, les panais, c'était génial, mais on n'en a pas eu. Donc, on a pris des patates douces avec de l'estragon, du curcuma, du sel poivre, de l'huile d'olive et des oignons qu'on va faire. Alors, ça, vapeur aussi ou pas? Ou à la poêle? On peut les mettre un petit peu à vapeur, oui. Ou à la poêle, ça va leur donner un petit côté... À la poêle un peu gris. Alors, on a une poêle ici. Ah, ça, c'est ça. On a la vie directe, on n'avait pas prévu. Attends, il y a tout ce qu'il faut, c'est génial ici. Voilà. Tiens, ça, tu peux le mettre derrière. Oui, d'accord. Super, merci, je te remercie. Avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Que demande le peuple? Voilà. Bon, ben on est pas mal. Il est 7h moins 8. Ok, on est bien. Donc, on fait vaporiser les légumes. Je ne mettrais pas une ou deux patates par sécurité. Je mettrais une patate encore. Voilà, pas plus. Voilà. On va mettre les oignons. On va faire griller un peu les oignons. Ouais, ben c'est bien tout ça. Je vais même faire des petits trucs comme ça, tu vois. Voilà. Faire des, voilà, les oignons, on va les couper en petits morceaux. Voilà. Attention. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va regarder. Alors, j'ai mis une petite casserole à chauffer gentiment. Voilà. Un fond d'huile. Voilà, un fond d'huile. Celle-là. Voilà. Très bien. Ce que tu peux faire, c'est couper encore un tout petit peu, faire des toits. Des petits morceaux sans te couper, faire attention. Oui, d'accord. Voilà, tu fais des petits bouts. Oui. Ça va, tu pleures pas? Non, ça va. Parce que les oignons, ça fait pleurer, t'es au courant? Oui. Ça ok. Bah, t'as des lunettes, c'est bien. Là, la casserole commence à chauffer. Bon. Ok. Donc. Allez, je mets l'huile. Voilà, on va faire frire les oignons qui sont derrière. Ici. Il y a vapeur là-bas, vapeur, on fait vapeur tous les légumes. Ça chauffe déjà ça? Non, c'est pour le mettre là. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu le mets. Que tout soit là. Donc ça, c'est un four professionnel. Ouais, ouais. Tu fais 150 degrés, c'est quoi? Alors 100 degrés. 100 degrés. Ok. Là, c'est en fait, c'est l'humidité. Là, ok. C'est vapeur, alors, vapeur des légumes à 100 degrés pendant... sur 10 minutes. Parce que là, ça carbure pas mal. Ok. Parfait. Donc, presque à 7h05, ça va être bon. Ça peut être fait dans c'est pas mal. On est pas mal. Ensuite, on va faire fruits. Alors, on peut mettre les... Vas-y. Ouais. On va mettre ça dans la poêle. Oui. Super. Attention. Parce que là, ça va aller un petit peu vite. Attention. Vas-y. Voilà. Ouais. On va ouvrir la fenêtre, comme ça, ça va être bien. Super. Voilà, on fait frire les oignons. Voilà, on ouvre un peu la fenêtre parce qu'il fait chaud, hein, quand même. On suit un peu, mais tout va bien. Alors,
Là, il y a un petit moment de flottement. On va prendre les brocolis et on va les couper en petits morceaux. Voilà, nous avons les brocolis. J'ai demandé à Anne, oui, France, de couper, tu les mets là, oui, les brocolis. Super. Alors, il faut une cuisine propre. Hein. Pour l'instant, elle est propre, il n'y a pas trop de saleté. Oui, chef. Ça, je l'enlève. C'est bien une cuisine peu propre au fur et à mesure. Voilà, donc... Et je le coupe comme ça? Alors, les brocolis, tu les coupes, regarde, de profil, c'est-à-dire comme ça. Comme ça, comme ça. Et après, tu as vu, ça se détache. D'accord. Donc, tu commences par la queue. Oui. Et tu coupes vers le centre, comme ça. D'accord. Je te les mets tous là. C'est juste la queue qu'il faut couper. Voilà. Tu coupes la queue et tu remontes. D'accord. Et ça se détache tout seul. D'accord. Voilà. Donc, brocolis. On attaque les brocolis. Il y a les oignons qui sont en train de frire derrière nous. C'est formidable. Voilà. Alors, chef, est-ce qu'on assaisonne les oignons? Non, on n'assaisonne pas les oignons. On les laisse comme ça. Voilà. Voilà. Alors, les oignons pas trop grillés, parce que comme on va les mettre au four après, sinon ils vont noircir. Donc, légèrement, tac, tac, tac. Voilà. Je dirais que là, c'est pas mal. Il faut remuer. On va remuer un petit peu. Voilà. Donc, je rappelle la recette pour ceux qui nous rejoignent. Voilà, bah, toutes les 5-10 minutes, je rappelle ce qu'on fait. On fait un gratin de légumes avec le café joyeux, avec donc Steven et Anne-France. Voilà, donc Pascal Légitimus, bonjour à tous. Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Et donc, gratin de légumes. Donc, la recette est là. Des pommes de terre, il nous faut 4 à peu près. 2 patates douces, une tête de brocoli, 4 carottes, 2 oignons rouges, ensuite de l'huile d'olive, 300-400 g de comté râpé et des herbes de Provence, de l'estragon, du sel et du curcuma. Vous notez tout ça ou pas? Est-ce que vous notez? Prenez un stylo et un... Ben, notez, je récapitule. 4 pommes de terre, 2 patates douces, une tête de brocoli, 4 carottes. Si vous avez des panais, c'est bien. 2 oignons rouges, de l'huile d'olive, 500 g de comté râpé à peu près, maximum, herbes de Provence, estragon, poivre, sel et curcuma. Voilà, j'ai tout dit. S'il y a des gens qui nous rejoignent, peut-être on va répéter. Alors, s'il y a des gens qui nous rejoignent, le temps que ça cuise dans le four. S'il y a des gens qui nous rejoignent, bah, je redirai tout ça dans 5-10 minutes. Donc là, bah, c'est quasi prêt. Tout ça. Alors, maintenant, tu coupes en petits morceaux. D'accord. Super. Donc là, nous avons le fond du plat. J'ai mis un fond d'huile d'olive. Ça? Ouais, très bien. Super. Voilà. On est bon. Ça cuit. Encore un petit peu là. Ça, c'est bien. Voilà. Voilà. Ensuite, là, tous les légumes sont faits à la vapeur avant pour les adoucir et après, on les met au four. Donc là, on est à 100 degrés. Il reste encore 7 minutes. On va regarder un peu ce que ça donne. Voilà, il faut les picorer un petit peu. Tu les sors. Oui, c'est les carottes, le repère. Bon, moi, à mon avis, on aura beaucoup de choses. Est-ce qu'il y aurait... Moi, je dirais un deuxième plat, si vous avez, ça serait pas mal. Deuxième plat de la même taille, on peut... Je dirais de la même taille. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous avez ça? Sinon, un plat plus petit. Est-ce que vous avez ça? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon. Parce que je pense qu'il y en a un peu plus. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pour à peu près, allez, 8 personnes. Hein. Un plat comme ça, c'est pour 8 personnes. C'est vraiment des gros gourmands. Voilà. Si vous avez... Parce qu'on risque d'avoir du rab, on risque de faire deux, un plat et demi. Donc la moitié d'un plat, ça serait super. Bon. Oh, j'ai soif, moi. Je vais boire un petit peu, parce qu'il fait chaud. Tu veux boire quelque chose? De l'eau? Oui. Ok, super. Allez, c'est parti. Aïe, 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 je sers à boire. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va. Ça va, c'est bon? Bon, allez. Tiens. Merci, c'est bien comme ça? C'est formidable. T'as presque fini, il reste encore deux. Celui-là et c'est bon. Formidable. Pardon, excuse-moi. On a trouvé un deuxième plat au cas où il y aurait du rab. Formidable. Donc, j'ai mis un oignon rouge pour l'instant et là, ça y est. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va réserver les oignons qui sont mi-cuits. En tout cas, ils sont ramollis. On va donc les poser. Je peux les poser là? Ouais, on peut même les débarrasser s'il faut. Ah, dis-moi, à côté, je peux les poser là? Ça ne crame pas? Voilà. On va les réserver là-dedans. C'est fait. Formidable. Donc, on va les reposer là-dedans. D'accord.
Vas-y, comme ça, regarde, vas-y. Voilà, on pousse avec les mains. On a les mains propres. Oui. Voilà, super. Voilà, donc on réserve, on met de côté. On réserve les brocolis. Voilà. Voilà, donc les brocolis sont prêts, les oignons sont prêts, les légumes sont en train de ramollir au four, il reste 5 minutes. Et à un moment donné, on va attaquer la cuisson. Donc, écoutez, on va attendre 5 petites minutes. Voilà, on débarrasse un petit peu, on nettoie un peu. Une cuisine propre, c'est toujours super. Oui, je suis d'accord. T'as goûté là. Donner un truc pour t'essuyer quand même. Oui. Tiens. Voilà. Merci. Je t'en prie. Allez. Hop. Bon. Écoutez les amis, un peu de patience. Tout est en direct. C'est presque fait, tout ça, presque fini. Il reste encore 4 minutes. Je vais piquer les légumes. Voilà. Encore, allez, 2 petites minutes. Les pommes de terre, ça va. Ah, là, c'est bien. Je dirais, allez, 2 minutes. On va pas aller au bout. Parce que ça vaporise super bien. Bon, okay. Dans 2 minutes, on va attaquer. Donc, on va pousser ça. Oui. On va mettre ce plat-là au milieu, s'il te plaît. Celui-là. Voilà. Et on va commencer à tapisser le fond. Donc, on va attendre que les carottes et les légumes soient prêts. D'accord. Et on va. Ce qu'il faudrait, c'est une spatule pour déposer les. Ça. Tout doucement, voilà. Et on va être bon. Ah oui, pour bien étaler. Oui, on va mettre d'abord les patates douces. Oui, les patates douces. Patates douces. On va mettre un peu de râpé. D'accord. On va mettre les carottes, un peu de fromage. Oui. Le brocoli, un peu de fromage. D'accord. Toi, il y aura 3-4 couches de fromage. Ah ouais. Ça va être bon, hein. Ça va être bon. Ça donne envie, hein. Oui, ça donne envie. Miam, miam, miam. On va bien se régaler. Peut-être qu'on va le manger sur place. Ah, peut-être. Attends, on va s'éclater. Oui. Donc, je récapitule. Les oignons un peu ramollis sont prêts. Les brocolis ramollis sont prêts. Ensuite, nous avons là-dedans, je crois que ça va être bon, les légumes ramollis ici. Et le comté râpé, il est au frais. Il est au frais. Voilà. On va le sortir. Voilà. Parce qu'il est au frais, mais il va ramollir. Et on est bon, voilà. Allez, je sens que c'est bon là. Ouais, c'est bon, on va arrêter. Je te laisse faire, t'es chez toi. Ouais, vas-y, lui c'est le patron Steven, hein. Moi je... Mais Anne-France aussi, elle a l'habitude de parler. Ouais, oui, j'ai l'habitude. Donc, c'est déjà des choses que tu as déjà fait dans attention. Le café, oui. Anne-France, ou ça va se brûler. Donc, est-ce que tu as une... Oui. Alors ça, comment tu vas faire? Tu pas quand tu le mets à gauche. Il a fait à l'Olympia. Voilà. Donc, la technique que tu as déjà fait chez nous. Donc, exactement. On a la spatule. Donc, une spatule, c'est ça. Donc, je te laisse faire. Oui. Tu vas mettre d'abord... Les carottes. Non, les... Ah oui, les patates douces. Les patates douces. Tu mets le fond de patates douces, vas-y. D'accord. Allez, éclate-toi. Ouais, merci. Voilà. Donc, on tapisse le fond de patates douces. Tu peux me sortir, s'il te plaît, le comté? Oui, bien sûr. C'est gentil, merci. Oui, chef. Oui, chef, c'est sympa. Ça fait un peu, oui, chef, a fortiori... C'est vrai, t'es chef, hein. Ouais. Attention. Il était au frais parce qu'il fait un petit peu chaud pour la. Merci. Oui, mais c'est bon comme il va ramollir. Voilà. Donc là, nous avons du comté râpé, que nous avons râpé nous-mêmes, avec la mandoline. Voilà. Super. Écoute, ça me paraît bien. Tu as une deuxième spatule? Je vais chercher. Je garantis. Sinon, je vais au prendre. Tiens, donne ça. Je vais le faire. Je vais l'aider. On va le faire ensemble. Voilà, c'est bien. Voilà, tu peux en mettre plusieurs. Hein. Regarde. Comme ça, tu les étales. Tu peux en mettre plusieurs. Non, pour mettre plusieurs. Ouais. Voilà. À peu près comme ça. Voilà, super. Voilà, toi tu tapisses le fond, tu couvres. Comme ça, il n'y a pas de trou. On tapisse le fond, encore un petit peu. Voilà, ici, là. Et maintenant, on va mettre du comté râpé, comme ça. D'accord. Voilà, tiens, prends la spatule qui est là-bas aussi. Merci, Steven. Voilà. Voilà. Et tu l'étales. Vas-y, étale-le un peu partout. Est-ce que vous voyez le plat là? Super, formidable. C'est important ce qu'on fait.
Voilà, on répartit. Je pense qu'il y aura peut-être besoin un peu de comté encore, mais ça, on en a en réserve. Ensuite, on va mettre un peu d'oignon. Vas-y. Un peu d'oignon avec la spatule. D'accord. Ouais, toujours. Vas-y, un petit peu. Voilà, un peu partout. Vas-y, voilà. Voilà, comme ça. Parfait, pas plus. On étale hein, pour donner. Voilà. Ensuite, tu vas mettre pommes de terre par-dessus. Pommes de terre. Voilà. Moi, je vais mettre un peu d'estragon déjà, tu vois. Je vais parfumer chaque couche. Voilà. L'estragon, c'est bien parce que c'est un peu amer, ça donne du goût. Voilà. Toi, je tapisse comme ça. Voilà, tu peux étaler. Voilà. Pommes de terre, comme ça. Super. C'est vachement bien. Voilà. Tu vois, ça sent hein, l'estragon. Oui. On sent l'estragon déjà. Voilà. Pommes de terre. Voilà. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Ok, très bien. Tu peux mettre des carottes maintenant. Donc, du coup, j'étais un petit peu d'avance pendant que vous montez le gratin. Oui, tu vois. J'ai mis le four à préchauffer. Formidable. Voilà, j'ai mis 180 degrés. Parfait. Alors, tu sais ce qu'on va faire, regarde. On va faire un truc qui est malin. Pour pas que tu aies du chemin à faire, je te mets les carottes à côté. Voilà. Très bonne idée. Voilà. Ouais, je vais t'aider. On met les carottes. Voilà, comme ça, un peu partout. Voilà, on étale. Voilà, on étale un peu. Voilà. Vas-y. Voilà. On va remettre ça. Tu vois, on va remettre ça. Vas-y. Donc, je récapitule pour ceux qui viennent nous rejoindre. Nous faisons un gratin de légumes avec plusieurs légumes. Donc, nous avons des carottes, des patates douces, des pommes de terre, des brocolis, des oignons et du comté râpé. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre un peu d'oignon. Un peu d'oignon. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Encore un petit peu. Voilà, très bien. Maintenant, on va mettre un peu de ça, vas-y. Un peu de brocoli. De brocoli. Voilà. Vas-y. Oh, ça va être bon. Je sens que... On sent d'ici, il y a des... Miam, 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 miam. Ça donne envie. Oui. Attention. C'est la première fois que tu fais la cuisine avec une star, en France ? Oui. Mais je ne suis pas une star. Si, toi, tu es une star. Non, est-ce que tu connaissais, je suis un être humain. Est-ce que tu connaissais Pascal Légitimus alors ? Je non, pas. Non, elle ne me connaissait pas. Parce qu'elle, je ne connaissais pas. Ben c'est bien, comme ça, elle connaît l'homme, c'est mieux. Voilà. Ensuite, on continue. On va remettre une couche de pommes de terre. Vas-y, prends ça. Vas-y. Je vais remettre des herbes. Voilà. Encore un peu d'estragon entre chaque couche. Et je vais mettre un petit peu d'huile. Parce que mine de rien, pour... Alors tout ça, ça va dégorger un peu, mais un petit peu d'huile. C'est bien. J'en ai mis au fond, mais là, j'en ai un petit peu. Voilà. On est bien, on est bien. Vas-y, pommes de terre, comme ça. C'est formidable. Voilà. Et on peut même mettre des patates douces en plus, tu vois. Ah, allez, on étale tout ça. Ok, il ouais. N'y a pas de problème. Ouais, on est généreux. Exactement, on est généreux. Au café joyeux, on est généreux. Exactement. Allez, ah, c'est bon. C'est cool. Voilà, c'est bon ça. Oh, je le sens bien ce petit gratin. Ah oui, moi aussi. Hein? Ça donne envie là. Oui. Voilà. Allez. Donc, tout ça. Voilà, tu couvres. On met les oignons. Allez, hop. On met tout ça. On étale les oignons. On répartit un peu partout. Alors, mets-en dans les coins, parce que tu as vu, il y en a moins dans les coins. Voilà. Le brocoli, allez, c'est parti. On fait un petit mélange de tout ça. Allez, on est. Voilà. Ça prend forme. Hein. Moi, je dis que c'est pas mal, là. Et maintenant, on touche plus à rien, parce qu'il est bien plein. Il y en a encore. Mets tout le reste. Vas-y, mets tout le reste. Vas-y, allez. Voilà, on met tout le reste, et voilà, pas de gaspillage. Exactement. Et voilà, c'est bon, vas-y. Voilà. Parce
qu'à un moment donné, tout ça, ça va baisser. Et là, on met le gratin. Vas-y, je te laisse faire. Tu mets avec ça, tu couvres tout le fromage. D'accord. Et là, on est bien. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et quand le fromage sera mis, je termine avec le curcuma par-dessus. Et à mon avis, ça va être super bien. Voilà. T'en mets dans les coins, là où il y a des trous. Voilà. Vas-y. Voilà, allez. Ça va gratiner. Donc là, on étale un peu. On étale un peu, oui. C'est important de bien étaler. Tout ça. Super. Voilà, gratin de légumes. Et là, on termine avec le curcuma que je vais étaler un petit peu comme ça partout. Tu vois. Ça va donner un peu de goût, un peu de saveur. Exactement. Voilà. Et puis, bah écoute, on va laisser cuire. Hein. Oui. Ah bah oui. Voilà. Pendant jusqu'à quand ? Eh ben, c'est 15 minutes, je pense, parce que tout est cuit déjà. Ah, trop bien. Donc pendant 15 minutes, on va papoter avec les gens. Oui, voilà. Bonne idée. Voilà. On va papoter. Du verbe papoter. Pas péter, hein. J'ai pas dit ça. Non, j'ai dit papoter. Pas péter, attention. Oui, ben non, oui. Je sais, mais c'est moi qui le dis. Ah, ok. Parce que des fois... Et puis bon, peut-être un peu de ça, c'est bien, voilà. Bon, ben on va mettre ça au four. Bah, voir ce que ça donne. Nickel. Allez. Donc, je récapitule. Regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a plusieurs légumes. C'est très, très lourd. C'est très, très bon. Attention. Alors, on met ça où ? Vas-y. Voilà. Au milieu. Oh, chien caca ! Là, il y a un truc. Ouais, voilà. On va pas toucher. Donc, voilà. Et on ferme. Et on ferme. À mon avis... Donc, alors, pour ceux qui nous rejoignent, pourquoi je suis ici ? C'est très important. En 2017, juste derrière, j'ai joué au théâtre des Bouffes Parisiens. Une pièce qui s'appelle Non à l'argent, avec Julie Debonnat, Claire Nadeau et Philippe Lelièvre. Non à l'argent, c'est une pièce de théâtre où mon personnage gagnait 162 millions d'euros au loto. Et il les refuse. Donc il réunit sa mère, son meilleur ami et sa femme. Et c'est la guerre. Alors, je ne raconte pas l'histoire, parce que c'est un jour, vous voyez cette pièce qui a été captée. Et c'est une pièce très, très drôle. Comment un type refuse 162 millions d'euros ? Ben, il a ses raisons. Donc, c'est une espèce de plaidoirie entre un mec qui refuse l'argent et trois personnes qui sont avides, qui disent « Mais t'es fou ! T'es malade ! On peut faire plein de choses avec 162 millions d'euros. Pourquoi tu les refuses ?» Et quand les gens me disaient « Mais pourquoi il les refuse ?» Je disais « Ben, venez voir la pièce. » Et donc, le samedi, comme j'ai joué le samedi deux fois, entre les deux représentations de 17h et de 21h, je me baladais dans le coin. Et à un moment donné, je rentre dans la galerie et puis je vois Café Joyeux. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je rentre pour prendre une petite collation et puis je vois qu'il y a un truc qui est bizarre, qui est différent. Et je me dis, ah, d'accord. Et je dis, mais c'est quoi ce concept ? Et donc, on m'explique que c'est Yann Bucaille avec sa femme qui a créé ce concept de permettre à des gens différents de s'exprimer, de travailler. Voilà, de les inclure dans la société. Je trouvais que c'était une très belle idée. Donc, j'ai appelé ce monsieur. Je suis débrouillé pour appeler ce monsieur. On a dîné ensemble. Et je lui ai dit, comment je peux vous aider ? Et puis, voilà. Donc, ça fait depuis 2017, je côtoie Yann Bucaille et toute son équipe. Et j'essaye de les aider avec mes petits moyens. Parce que je trouve que c'est important que moi, personne médiatisée, je puisse diffuser l'information. Donc, j'ai inauguré le Café Joyeux de Tours. On m'a proposé celui de Caixcaix au Portugal, mais je ne sais pas si je serai libre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de cafés joyeux qui vont naître comme ça. Oui. Et toi, comment tu as été appelé ici, toi ? Comment on t'a contacté ou... Oh non, moi, j'ai postulé justement par une vidéo. Tu as postulé ? Oui, par c'est une cool. vidéo. Okay. Et qui est envoyé par un réseau qui s'appelle Les Cuisines. Et le Café Joyeux... cette application-là, ils m'ont lu les cuisines et ils voyaient que ma vidéo était... Ta vidéo était bien. Était bien, ok. Et du coup, il y avait une entreprise avec Maganella qui est au sein du Café Joyeux. Ok. Et on m'a dit que j'étais pris en tant CDI au Café Joyeux. Oh, t'étais pris en CDI au Café Joyeux. Sur les Champs-Élysées. Bravo. Champs-Élysées, donc tu m'as dit que tu étais à l'Olympia et après aux Champs-Élysées.
J'étais au centre de l'Élysée, après l'Olympia et au centre de l'Élysée. Est-ce que tu étais là quand Macron il est venu non, pas non. Parce que moi j'étais là. Quand le président Macron est venu faire une petite visite, non, ça remonte il y a 2-3 ans maintenant. J'étais pas là. Ok, d'accord. Et toi, tu étais là? Non, pas encore. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? T'étais où? Covid. Ah oui, Covid. Ah ouais, t'étais chez toi bien planqué. Mmh. Et toi, comment t'as atterri ici? Eh ben, presque pareil. Je travaillais à côté. Donc feignant, t'as débarqué à côté. Non, mais comme je. T'étais à la bourse à côté? Je gérais non. Pas tout à fait, plus vers la bibliothèque. Et comme je gérais deux restaurants en même temps, j'ai découvert le concept aussi en passant. Ok. Entre les deux restaurants. Mais et oui, mais alors, ça t'a interloqué. Et donc? Eh bien, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rejoindre Café Joyeux. Ouais. Et comme c'était encore le Covid, c'était un petit peu longuet. Mais ouais, ouais. J'ai mis tout ce qui était en disposition pour pouvoir rejoindre le groupe. Cool. Et puis ça s'est fait au bout de quelques mois. Et tu regrettes pas? Absolument pas. Ça va faire 2 ans. Et puisqu'on parle de Tours, on peut aussi dire que Tours vient de fêter son premier anniversaire. C'était ouais. C'était le 15 juin. Donc, ouais, bah c'était, c'était il y a un an. Il y a un an déjà jour pour j'étais jour. À Tours il y a un an. Tout à fait. J'ai l'impression que c'était hier. Tout à fait. Et okay, puis depuis Tours, cette année, on a okay. pu ouvrir quelques cafés. On, on avait ouvert Lyon avant et on a fait Tours. Et après, on a pu ouvrir dans l'année Bordeaux Village. Ok, cool. On a ouvert Nantes, on a ouvert Montpellier. Et aux États-Unis, il y a un café joyeux. On a ouvert un autre café, mais oui, on a ouvert Paris 2, évidemment. Paris 2, oui. C'était de Versailles. C'est près de chez moi, ça. Et voilà, c'est un premier café. Je dis pas où j'habite, hein, mais c'est près de chez moi. Premier café dans un centre commercial. Ouais, ok, mais je vois une. C'est un gros challenge également. Ouais, ok. Et cool. Après, bon, il y a plein de petits projets à venir, mais on en parlera le moment venu. Fait chaud, c'est pour ça que je fais ça. Excusez-moi. Ok, alors on regarde notre. Qu'est-ce qu'il en est là? Qu'est-ce qui se passe? Ouh, ça gratouille! Oui, ça alors là, on a mis 180 pour que ça aille ça un petit peu vite. Ça commence à fondre. On peut baisser hein. la température si c'est très pas bien. Trop mal. C'est très bien. On va le laisser encore un peu. Bon, alors en tout cas, les cafés joyeux, il y en a combien à Paris? À Paris, on a les Champs-Élysées, ouais. on a celui d'Opéra. Okay. Donc sur les Champs-Élysées, on peut dire qu'on en a presque deux parce qu'on a un qui est à côté, qui est une okay. petite boutique où on vend du café, des glaces et puis un peu de. Alors la nouveauté, c'est le café d'Espresso, c'est ça? Alors, c'est une vieille nouveauté, ça, c'est en collaboration avec l'Espresso, où on a d'accord. fait des dosettes. Ok, c'est ça. C'est une collaboration avec l'Espresso qui nous permet justement d'avoir une plus grande visibilité okay. et de pouvoir embaucher encore plus d'équipiers. Donc, c'est un partenariat qui a été lancé il y a un an. Puis moi, j'aime bien la couleur jaune. Et qui bien. Nous a permis d'embaucher des équipiers et qui va perdurer, qui nous permettra d'embaucher encore plus d'équipiers. Donc, voilà, chaque ouverture, c'est pensé pour les équipiers. Maintenant que tu parles comme un commercial, le mec, il maîtrise tout. Mais tout à fait. C'est ça ton top. Les équipes sont joyeuses d'être au Café Joyeux. Oui. Bah oui, j'imagine, parce que vous n'êtes pas maso. Si tu restes là, c'est que t'es bien. Oui. Bon, bah c'est cool. Okay. Alors, moi, je suis. Alors, ça, cette opération-là de Facebook, c'est pas Facebook, hein, c'est ça hein, oui, enfin voilà, c'est Facebook, on va dire ça. Je sais plus s'il y a eu une. L'année dernière, vous avez fait une opération comme ça ou pas, non? Je ne pense pas. Non, c'est la première, première, là? La première. Donc, je suis le cobaye. Le first, le premier. Bande d'enfoirés, là, pourquoi moi? Oui, mais je sais pourquoi moi, parce que, évidemment, j'adhère au Café Joyeux. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont faire donc des plans directs. C'est ça le but? Alors là, je ne connais pas la suite. Ben, moi non plus. Mais en tout cas, j'ai ce que j'ai voulu dire, qu'il y aura des personnalités, j'espère, qui vont par la suite, en direct, dans les Cafés Joyeux, faire des plats, soit des desserts, des entrées. Moi, j'ai choisi le gratin de légumes parce que je trouve que c'est un plat d'hiver, même si on est en été. Donc, on vous prévoyait de faire un bon plat d'hiver pour 8 personnes et ça vous remplit bien. Puis surtout, il y a des saveurs. Donc, je vous rappelle que j'ai mis du curcuma, j'ai mis de l'estragon, sel, poivre, pas encore. On mettra après parce que le sel, c'est pas terrible pour l'hypertension. Toi, ça va, t'es jeune, toi? Ouais, presque. Ouais, ça va, c'est pas ton truc. Donc, pas trop de sel, j'en mets pas. Et puis, regardez, oh, ça frétille là. Et d'ailleurs, ça dégorge. Donc, au-dessus, ça croustille et là, ça commence à dégorger. Donc, il reste combien de temps? 7 minutes, je pense qu'on va le sortir avant. Dans 5 minutes, allez. Ouais, ouais. Je peux ouvrir un peu? Oui, bien sûr. Juste faire attention à la dégageant d'un peu. Hop. Attention. Et voilà. Alors, voyons comment ça se passe. Ok. Ok. C'est pas mal. Ok. Comment tu fermes ça, toi? Claque la porte. Ah, tu pousses.
Ok. Ça, c'est un four professionnel, ça? Tout à fait. Ça coûte combien, ça? Cher. Cher. Quoi, c'est 10 000 euros? Non. 000. Même un peu plus, un peu plus. C'est sérieux. Et alors là, c'est un four qui est... oui, alors lui, c'est un vieux modèle. Et en plus, on a une haute au-dessus. Mais dans la plupart de nos cafés, on a les mêmes fours un peu plus neufs. D'accord. Avec une haute intégrée. Donc, il y a un beau petit coup. Donc ici, mais on fait de la pub pour la marque, peut-être qu'on aura un peu d'aide. Donc, en dessous, donc, il y a le café Joyeux. C'est donc tout là. Ça, c'est le café Joyeux. Okay. C'est la cuisine et aussi une partie de la salle. D'accord. Ici. Et au-dessus, c'est la cuisine? Ouais, cuisine, reste de la salle. Mais et en dessous, il n'y a pas de cuisine? En fait, c'est un café qui est à part, parce qu'il est sur deux étages. Et donc, c'est préparé ici. Et les recettes pour les salades et les plats chauds sont descendues en bas. Et c'est fait en bas par les équipiers. Et ou par qui crée les recettes du café Joyeux? Alors, qui crée les recettes? Vous avez un manager cuisine ou pas? Quelqu'un, tu sais qui crée les recettes? C'est Hugo maintenant qui est chef de cuisine à Opéra. Ah, Hugo, c'est le responsable de cuisine qui est ici à Opéra. Non, alors pour les recettes, on a eu un book d'une personne qui a permis de créer un joli book de recettes. Et depuis quelques années, on est aidé par l'équipe Thierry Mars. Et Olympia, avant, le chef de cuisine, était Damien maintenant qui a déménagé. Damien, il est où, Damien? Il était chef de cuisine à l'Olympia. À l'Olympia, oui. Avec François-Xavier qui est tout récent maintenant. François-Xavier, d'accord. Oui. Okay. Et qui est maintenant sur les Champs-Élysées, à Vagrayan. Et toi, tu fais quoi dans Coffee Joyeux? Tu fais quoi? Ben, nous, on fait de tout, parce que comme il y a formation chez Fazi, capitainerie, il y a Nathalie qui est dans le... Tu dis capitainerie, c'est ça? Oui, c'est Nathalie bon. Dans la capitainerie, centre formation chez Fazi Joyeux. Centre formation, ok. Je fais une formatrice qui s'appelle Marie. Ok. Et les mardis et les mercredis font des formations pour être agent de cuisine. Agent? Et on se voit un dépôt en octobre. Toi, t'es quoi ton métier? C'est agent de cuisine? Moi, je vais être agent de cuisine. C'est agent de... On va résumer, c'est agent de restauration. Agent de restauration, donc, super. On va reprendre deux, trois petits trucs qui étaient très intéressants. C'était qui fait la cuisine. Donc en fait, chaque café a un responsable de cuisine. Okay. Personnellement, je chapeaute la cuisine des cafés. D'accord. Et on est aidé par les équipes de Thierry Mars sur les nouvelles recettes. Okay. Ah, donc, voilà, ça que je veux savoir. On fait les recettes avec eux. Vous êtes donc aidé par des gens, des professionnels qui suggèrent des... Voilà, qui nous suggèrent. Oui. Moi, mon rôle, c'est de les mettre en format café joyeux. Okay. Donc, de faire en sorte que ça marche avec notre matériel et puis pour les équipiers et pour le personnel en cuisine. Et de les intégrer à nos recettes. Voilà. Et après, ce que Anne-France nous disait, c'est qu'en fait, on a créé un... Et en fait, pour tout vous dire, c'est qu'on est polyvalente au café joyeux, on est en caisse, on est au café, on est en cuisine et on est en service. Donc polyvalent, caisse, vous êtes polyvalent, caisse, cuisine, agent de restauration. Bah, bravo, en fait. C'est bien. C'est cool. Alors, on a créé un CFAJ, donc un CFA joyeux. Un CFA. C'est quoi cet acronyme, un CFA? CFA, c'est un centre de formation. Ah, centre de formation, pardon, excuse-moi. Et le A, c'est quoi? Centre de formation d'application, d'apprentissage. Centre de formation apprentissage. Et joyeux. CFA. Donc, CFA, les cours sont donnés au centre Café Joyeux par des professionnels. Et les cours écrits. Est-ce que tu as tout appris par cœur ou tu connais ça? On est obligé. On regarde ce qui se passe. Ouais. Là. Alors, vas-y, je te laisse comme ça. Et après, ils sont eux en direct, 4 jours dans la semaine, en formation avec nos équipes. Vas-y. Alors, attends. On le sort juste. On peut le poser là-dessus ou pas? C'est craint. Non, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est l'inox. Ok, attention. On va regarder le place où on en est. Parce qu'on est presque à la fin. Ça m'a l'air pas mal. Alors, est-ce qu'on peut jeter un œil sur cette merveille? Waouh, magnifique! Pas. Est-ce que c'est aussi bien à la maison? Il faut le goûter à un moment donné, parce que le problème, c'est que les légumes ne soient pas assez cuits. Donc là, a priori, moi je le mettrai encore un petit peu, mais moins fort. Voilà, c'est bien, c'est croustillant, on a envie de manger. Moi je mettrai un tout petit peu d'huile, histoire de... Mais vraiment, tu vois, comme ça. Parce que la couleur, c'est le curcuma qui a fait cette couleur-là. Et... Je regarde en dessous ce qui se passe. Moi, je le mettrai encore un petit peu. Parce que tu vois, le brocoli, tout ça, c'est bien, mais ça peut être ramolli encore un peu plus, mais à 160. Non, tu le mets à 120. Oui, chef. S'il te plaît. Allons-y. Mais il a une bonne gueule déjà. Il a une bonne tête. Moi, il me plaît. Vas-y, te brûle pas. Vas-y. Voilà. Hop. 5 minutes. Ouais, 5 minutes, allez. Voilà.
Écoutez, il nous reste encore 7 minutes à être ensemble, donc on va patienter un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, l'actualité des inconnus, parce qu'on est là aussi pour donner des nouvelles, hein, pour ceux que ça intéresse. Alors, les inconnus, vous avez remarqué depuis quelques années, ça passe souvent à la télévision, donc notamment sur les chaînes comme C8, Canal+, il y a eu TMC. Et cette année, c'est TF1 qui a racheté pour 3 ans nos sketchs. On leur a donné les droits pendant 3 ans. Donc, il y a 182 sketchs et ils font ce qu'ils veulent avec. Mais on leur a dit, faire ce que vous voulez, c'est bien, mais si on pouvait créer des programmes originaux. Donc, le premier programme un peu sympathique qui est passé en début d'année, ce sont donc des artistes qui ont refait nos sketchs à l'identique. Et puis, nous, on faisait les fils rouges. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, un peu plus croustillante, il y a un documentaire qui est en montage actuellement. On nous a enfermés pendant 3 jours, 2 jours et demi dans une maison avec des caméras partout, dans les toilettes, dans les douches, partout. Des caméras partout, qui étaient partout. Et on est entre nous et on se pose des questions et on révèle des choses, la manière dont on travaille, la manière dont on voit la société. Donc c'est un point de vue, une conversation avec beaucoup de choses, des réminiscences du passé, des révélations. Donc c'est super. Et la troisième chose, troisième élément, c'est un film qui va être écrit par Yad Satouf, qui écrit l'Arabe du futur, qui est en train d'écrire un scénario. Et donc, on espère tourner ce film l'année prochaine. Voilà le petit biscuit actuel des inconnus. Et évidemment, individuellement, on a des projets. Didier fait du cinéma, Bernard fait un peu de télé. Moi, je vais faire un peu de... Là, j'ai joué dans Camping Paradis, ça va sortir bientôt. J'ai une pièce de théâtre, un film. Bref, on travaille, on est là, on n'est pas encore mort, on n'est pas encore dans les EHPAD. Voilà pour les petites informations. Ce qui nous permet maintenant, en attendant, de regarder notre petit gratin. Là, ça commence à être bien. Il reste combien? 3 minutes? Allez. Alors, est-ce que l'antenne est coupée à l'ennemi? Comment ça se passe? Ou ça se prolonge? Ou non, on s'en fout. Tant que c'est... Voilà. C'est moi qui décide, en fait. Parce que là, en fait, là, vous me parlez, je vous parle. Mais derrière, il y a des gens, il y a la technique. Il y a beaucoup de personnes très importantes qui nous regardent, en dehors de vous, qui nous disent exactement ce qu'il faut faire. Donc, moi, je pense que... Je pense que c'est bon. On y va? Allez, on le sort. Ouais. Ouais, c'est bien. Donc en direct du Café Joyeux, le gratin proposé, gratin de légumes proposé par Maïsef, Pascal Légitimus. Voilà, on le pose. Tu en admires, c'est ça? Ben écoute, je vais prendre une photo. Hein. Le mec, j'ai pris une photo. Voilà, de mon gratin de légumes. Voilà, Café Joyeux en direct. Voilà, on va faire on fait un selfie tous les trois. Voilà, avec le gratin. Yes. Voilà. Mettre ça sur Instagram. Alors oui, j'ai un Instagram pour ceux que ça intéresse. Hein, Pascal Légitimus, voilà, j'ai un perroquet sur l'épaule. Comme ça, vous pouvez me communiquer. Si vous avez bien regardé l'émission, petite vidéo, voilà, où je filme Steven. Voilà, soyons modernes, Anne France. Fait. En direct du Café Joyeux, là, ici, bon. Hop là, je ton t-shirt, ok, le plat que j'ai fait en direct, voilà, tout ça je le mettrai sur mon Instagram, formidable, merci à tous. Du coup, voilà, ben merci. Et... Est-ce qu'on goûterait pas avant de Tu veux le goûter, t'es sûr? Tu veux le goûter? On va faire honneur. Tu veux le goûter? Oh oui. C'est chaud, hein, une petite assiette? Mais on a tout, allez. On a tout prévu. Est-ce que des gens de l'équipe veulent le goûter? Après? Bon. Parce que s'il n'est pas assez bon, on le remet au four. Enfin bon, c'est-à-dire cuit. Il est cuit, mais je trouve que voilà, on peut... Vas-y. Petite part. Hein, Carrément. Ouais. On va aller chercher une spatule, du coup. Allez, hop. Et voilà. Mmh. Hein? Oui. Hein? Alors, tu veux... Tu veux? Vas-y. Moi, je dirais par là. C'est sûr? Ouais, par là. Tu vas enfoncer, ouais, voilà. Voilà. Ok, maintenant, alors oui. Attends, on va faire comme ça. Attends, je vais te couper parce que c'est comme ça. Alors. Allez, je vais te servir. On peut te mettre sur une assiette et tous goûter ensemble.
Alors, les légumes sont croustillants, ils sont fondants. Hein. C'est-à-dire que c'est une technique. Bon, allez, on fait comme ça. Allez, ça colle. Hein. Allez. Voilà. Et au fond, il y a du. Voilà. Allez-y. Vas-y. On va aller. Hop. Merci. C'est chaud, hein. Tu souffles. D'accord. Fais. C'est trop chaud. Bah alors. Est-ce que c'est cuit? Oui. Bon. Bah, je vais goûter. Est-ce que c'est bon? Je vais goûter. Je leur mettrai encore un peu plus. Un petit chouïa. Hein. Ouais. Hein? Et est-ce qu'on a le droit de mettre un tout petit peu de bouillon de légumes, par exemple, dedans pour aider à cuire et que ça si ramène tu, aussi si un peu veux, de... Si tu veux, il y en a du bouillon de légumes? Alors là, non, évidemment. Mais non, si parce qu'au fond, il y a de la sauce au fond, mais elle est au fond. Non, mais je mettrai encore, ouais, encore 5 minutes. Mmh. Je suis d'accord. Il est bon, il est goûteux, mais les légumes sont encore un peu... Allez, on remet ça. Okay. Bon, écoutez, écoutez, on va se quitter là. Hein. Voilà, c'était donc le gratin de légumes, mais en tout cas, c'est en devenir. On va le faire cuire encore 5 minutes pour que les légumes soient un peu plus ramollo. Mais ça va le faire. Regardez. Parce que ça. Voilà, ça. Ça, c'est bon. Parce que toi, il y a le comté qui est sur les légumes. C'est pas bon. Mais encore 5 minutes et ça va le faire. À bientôt, peut-être avant. C'était donc Anne France, Steven. À bientôt. Et moi-même. Allez. Ciao. 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 Salut. Bon, on va en remettre. Ouais. Là, tu le mets à 180.